un petit mot quand même. Alors, je sais pas s'il y a des fans de Sochaux qui sont là ou qui ont peut-être envie de parler. Après, je peux peut-être en recevoir, il n'y a pas de souci. Sochaux. Sochaux, frère. Sochaux. Alors, plus ou moins, on vient d'apprendre, je crois, le dépôt de bilan quasi certain de l'équipe et le retour en National 3. Avec un besoin, il n'y a pas toujours un dernier espoir. S'il trouve 7 millions en une semaine, c'est bon. Je crois qu'il fallait 7 millions pour se maintenir juste en national. Bon, je ne sais pas à quel point c'est encore sauvable ou si c'est définitivement mort, tu vois. Mais c'est très très grave. Alors c'est dommage parce que nous on avait pu leur acheter Skelly Alvero quelques millions, on aurait pu l'avoir gratuit quelques temps après, c'est le bâtard. Mais plus sérieusement, c'est triste parce que c'est un monument, c'est vraiment un monument, comment ça s'appelle, c'est un monument du football français, plusieurs Coupes de France, on se rappelle tous de certains joueurs qui ont marqué, les Teddy Richert, les Marvin Martin, nous à l'époque à l'OL on leur avait pris Sylvain Monceau je crois, bref des joueurs dans le style quoi, et c'est très dommage pour eux, voilà c'est très relou, ouais, Riyad Boudbouz et bien d'autres, mais voilà pour les Sochaliens qui ne sont plus en Ligue 1 depuis un paquet d'années quand même, ça fait vraiment mal au cœur, voilà. De toute façon c'est toujours triste de voir un monument du foot français disparaître quoi, ou en tout cas disparaître temporairement, parce que en soi Strasbourg a vécu la même chose, hein. Strasbourg a vécu la même chose en réalité. Si on veut être honnête, Strasbourg a vécu exactement la même chose et avait réussi à revenir. Sixième club avec le plus de saisons en Ligue 1. Bah voilà. Vous avez, comme ça, vous avez la stat qui va avec, quoi. Bastia aussi. Ouais, Bastia aussi est bien revenu, c'est vrai. Donc, c'est pas impossible, mais c'est difficile, quoi. Et surtout, c'est pas sûr non plus. Donc, force à vous, parce que franchement, je trouve ça un peu moche, un peu nul pour vous. Et on vous souhaite de revenir à un moment, quoi. Sedan, deuxième extinction de la DNCG en même pas 10 ans. Ouais. Après, je sais pas, qu'est-ce qui a fait que la situation économique de Sochaux était si calamiteuse? Parce que, vraie question, mais Sochaux, c'était un club stable de Ligue 2 depuis un paquet d'années, non? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, les mecs, ça a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur politique pour que d'un coup, ça foire, tu vois? Genre, c'est quand même chose qui s'est passé, tu vois. Après, c'est pour finir en club satellite comme eux, je préfère qu'on reste dans les basses divisions. En club satellite comme Strasbourg. Ouais, alors c'est vrai que le club satellite, c'est pas cool, mais après, je sais pas si tu préfères la N2 pour de vrai, mon frère, c'est quand même chaud. Hein. Pourquoi Peugeot les aide pas? Bah, parce que Peugeot, même si Peugeot est de la région, ils ont pas forcément un truc à voir avec le club de foot. Hein. Pour vous dire, à Lyon, dans la ville de Lyon, on a plusieurs milliardaires qui sont issus de la ville. Crois-moi qu'il n'y a aucun milliardaire lyonnais qui a mis quoi que ce soit à l'OL. Alors peut-être que vous allez me dire que l'OL n'a pas été vraiment en galère, c'est vrai. Toute proportion gardée, mais bon. Des fois, les mecs s'en battent les couilles, quoi. Train de vie Ligue 1 alors que t'as pas les revenus. Ah ouais, genre quoi, la masse salariale et tout était chaude. On va revoir après, mais bon, c'est quand même chaud. On va regarder l'historique des transferts, ouais, t'as raison. On va regarder l'historique des transferts. Alors, tiens, on va faire Sochaux Transfermarkt. Est-ce qu'il faisait des folies ou pas, même si tout ne se joue pas que sur ces simples transferts-là. Transfert, alors. Bon, du coup, on nous a vendu Skelly Alvero, mais les autres années. Les primes, ouais, les primes, la masse salariale, plein de trucs. Bon, déjà, la saison dernière, ils avaient que recruté gratuit. Déjà, il n'y avait pas eu d'arrivée payante. Ils avaient vendu Alan Virginius, Florentin Pogba parti libre, Joseph Lopi, ok, plein de joueurs. Oh là. Déjà, sur la saison d'avant, quand il n'y a pas un euro de dépensé au Mercato, c'est quand même chaud. Wesh. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas mis un euro? Mais... ça fait combien de temps? Mais Zach, c'est Sochaux qui a lancé le FCSM. Ouais, sans doute. Peut-être certains parlaient de mettre... je veux dire, une nouvelle... Wesh, mais ça fait un paquet d'années qui a plus... Bien sûr, les joueurs libres, il y a quand même un peu d'argent. Wesh, mais ça fait combien d'années que Sochaux ne dépense pas? On vient de voir, là, le seul truc, c'est Yann Kitala à 300K. Mais c'est une blague! Non, mais les gars, ça fait 6 ans qu'on regarde leur transfert, ils mettent pas un euro! Mais
Non, mais pause. Je crois que j'ai raté un truc, frère. C'est quoi la dernière fois qu'ils ont mis... Oh, je m'attendais pas à ça. Je sais pas pour vous, les gars, mais je m'attendais pas à ça. Alors, c'est quand même important de se dire quand quasi... Bah, allez, vas-y, tu sais quoi, on va regarder 13-14, histoire de valider la trend. Attends. Donc ouais, là, à l'époque... Donc, en un peu moins de 10 ans, ils ont investi que 2-3 fois. Alors, c'est vrai qu'à des moments, il y avait des petits points d'interrogation, mais ça restait rare quand même. Donc, en gros, mine de rien, on peut quand même dire que même s'ils ont eu des joueurs libres, dans l'esprit, ils ont quasi jamais acheté de joueurs en 10 ans. Ils ont surtout eu des prêts, des joueurs libres. What the fuck? Je m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Et beaucoup de prêts aussi. Hein. Wesh, c'est dingue. Hein. D'ailleurs, là, on le voit, regardez. Là, il y a... Wesh, mais combien de prêts? Qu'est-ce que c'était passé? Ça a été 2018 à Sochaux, wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs de prêts. Majoritairement des gars d'Alaves, on le voit. Elisha Ouzou, l'ancien Lyonnais. Il y avait même Roca, pardon. Putain. Eh ben. Depuis, ils ont acheté KTE, ils ont été traumatisés. Bah ouais, mais je me rendais pas compte. Parce que je sais qu'en Ligue 2, voilà, c'est y a un peu moins d'argent, c'est un peu plus la Hesse, hein, on va pas se mentir. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, tu vois ce que je veux dire. Bon, on verra, hein, mais franchement, je m'y attendais pas. Hein. Donc en disant, t'as carrément pas dépensé, tu te retrouves quand même sans thune. Bah ouais, je comprends pas trop. Après, encore une fois, des joueurs libres ne veut pas dire des joueurs qui coûtent rien. Des joueurs libres, c'est des joueurs qui prennent un gros chèque à l'arrivée. Enfin, un gros chèque, qui prennent un chèque de signature, une prime de signature. C'est des joueurs qui ont aussi un certain salaire, donc tu peux te mettre dans la merde comme ça. Mais comment ça se fait qu'en 10 ans, quasiment, il n'y ait pas eu une gestion un peu plus efficace qui arrête ça, tu vois? C'est grave, hein, c'est fait des primes de malades aux joueurs, entre autres. Bah ouais, mais c'est, enfin, je sais pas, genre, pourquoi ils ont continué cette politique-là de juste donner des grosses primes et avoir des joueurs libres pendant 10 ans, jusqu'à en être carrément dans la merde. Enfin, c'est dingue, quoi, tu vois, c'est quand même dingue. Après, s'il y a un socialien qui a envie de venir en vocal, qui a envie d'expliquer des choses, je suis pas contre, hein, mais complètement what the fuck. Bah, en tout cas, après, ça fait toujours de la peine de voir un monument du football français s'écrouler. Surtout un monument comme Sochaux qui, sur les 20 dernières années, a eu des, quand même, d'assez gros moments. Relou. Regarde la vidéo de Romain Molina, il explique tout. Ah bah tiens, vas-y, on va regarder ça, vous savez quoi? On va regarder ce que Romain Molina a à dire sur le sujet, parce qu'en vrai, ça peut être intéressant de comprendre. Hop. Il y aurait un projet Socios qui se met un peu comme à Bastia. Eh, moi, je suis l'ami des Sochaliens. Je vais aller candidater pour remettre de l'ordre là-bas. Alors attends, plus sérieusement, Romain Molina, la fin du FC Sochaux-Montbéliard. Et bienvenue. Un autre club historique du football français est en train de mourir à petit feu. Ça, vous entendez bien? On avait parlé de Nancy. Pause. Je vais mettre en fond 1,25, ce sera un poil plus rapide, mais voilà. Hop. C'est le cas du FC Sochaux-Montbéliard qui a été rétrogradé administrativement en National 1 par la DNCG, mais c'est peut-être que le début d'une descente aux enfers. On va être très très clair, Sochaux risque le dépôt de bilan. Et c'est une lente mort en fait qui a commencé lors de la première revente. Quand Peugeot PSA avait revendu le club à un groupe chinois. C'était quand à peu près ça, les Sochaliens? On a fait une série il y a quelques années de toute cette tambouille, également politique parce qu'il y a des secrets évidemment assez importants que certains ne veulent pas dévoiler. Selon nos confrères de l'Est républicain, le constructeur auto fondateur du FC Sochaux aurait vendu le club au groupe chinois Ledus en 2015. Donc 2015, c'est à peu près ce qu'on a vu en termes d'arrêt des investissements. Rappelez-vous que les derniers investissements, ils étaient en l'été 2013. Sinon, c'est depuis à peu près 2015 qu'ils sont sur cette politique de transfert libre, de prêts et de peu d'achats. Pour seulement 50 000 euros, bien loin des 7 millions annoncés à l'époque. Et tout ce qui s'était passé à Sochaux, alors il y a eu la relégation, il y a eu les mythomanes, il y avait plus d'argent en caisse, on a eu des reventes, on a eu le groupe Basconia qui était venu, Sochaux était devenu une filiale, tu avais le directeur sportif Vizcaino qui menaçait les gens par Facebook, enfin, c'était n'importe quoi. Et déjà, Sochaux était presque cliniquement mort. Ensuite, en 2019, je dis pas de bêtises, il y a eu une nouvelle vente, un nouveau groupe chinois, Nanking, un groupe solide de l'immobilier. On a remis de l'argent, on s'est dit bon, peut-être qu'on est débarrassé. Mais pourquoi des clubs chinois, pourquoi des groupes chinois achètent Sochaux? Mais what the fuck? Genre, avec tout le respect que j'ai, c'est bizarre, tu vois, de base. Non. Le club, depuis la première revente, qui a sciemment été faite, hein, c'est comme Bordeaux. Bordeaux, là, les gens, je suis désolé pour vous.
Tôt ou tard, le club il va mourir, je suis désolé. La seule solution pour Bordeaux à long terme soit sauvé, c'est que tu aies un mec qui arrête de faire des prêts et qui prenne tout et qui pose le pognon, pas qui fait d'autres prêts. Parce que depuis que M6 a délibérément choisi de vendre à GACP, ils ont condamné le club à une petite mort. Comme Jacques Rousselot à Nancy a condamné le club à une petite mort lorsqu'il a choisi de vendre à ce groupe, New City Capital. C'est la même logique. Et Sochaux, là, on étire, on a un trou de 22 millions d'euros. Avec... Oh là là, parce que PSA s'établissait en Chine dans ces années-là, ok, je comprends. FC Sochaux, le déficit s'élèverait à 22 millions. C'est vrai qu'il y avait eu des Chinois qui étaient venus mettre 100 millions d'euros dans l'OL, c'est une bonne remarque. Alors, FC Sochaux, le déficit s'élèverait à 22 millions d'euros. L'avenir s'assombrit pour FC Sochaux. Sanctionné d'une rétrogradation, le club frontois devra combler un déficit qui s'élèverait à 22 millions d'euros. Mais comment ça peut... Comment le déficit peut être aussi élevé, sérieux? Avec un budget cette année qui a tout explosé, et vous allez voir un fonctionnement mais incroyable. Comme je le dis, sur la chaîne, il y a une playlist spéciale Sochaux, puisqu'il y a quelques années, j'avais fait beaucoup de sujets là-dessus. Et là, c'est peut-être ma faute, ces 2-3 dernières années, j'avais pas refait de vidéo. Et je pense qu'au niveau national, on a oublié que c'était une catastrophe. Et il y a eu quelques résultats qui ont masqué cela, parce qu'on disait qu'il y a des ambitions, il y a des grands noms qui viennent, on arrive encore à vendre quelques joueurs, on monte la formation socialienne, etc. Mais tout ça, c'était un leurre, on se fout de la gueule du monde depuis des années. On parle de New York, de Nîmes, de Valenciennes en Ligue 2. Mais on a oublié Sochaux. Et là, je vais vous montrer la gestion peut-être la plus ubuesque du foot français. Et peut-être le plus gros foutage de gueule du foot français, vu les... Eh, quand Romain Molina est comme ça, c'est le mode Super Saiyan. C'est là où tu sais qu'on va être diverti, c'est là où tu sais qu'on va apprendre des trucs. Donc là, ça m'intéresse énorme. Là, ça m'intéresse énorme. D'ailleurs, au passage, après, on en discutera. Et merci pour les accords libres avec Selma Bacha que vous avez suivi tout à l'heure. C'était très, très cool. Et ça sort demain en rediff. Ça m'a fait plaisir de faire une émission comme ça. Les moyens qui ont été mis. Il y a un homme central dans cette affaire qui s'appelle Samuel Laurent. Donc c'est le directeur général, tout le monde l'appelle le président. C'est lui l'homme fort de Sochaux. Alors, je vais laisser son CV de côté, hein. Il y a des articles très intéressants, même sa biographie. Oui. L'auto-proclamé consultant international habitué des plateaux et à radio, il assène des vérités alarmistes sur l'État islamique et Al-Qaïda, peine à justifier ses approximations. Oh là ! Il a combattu à l'époque en Birmanie, etc. Les livres qu'il a fait autour d'Al-Qaïda et tout, que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Quoi ? Quoi ? Mais quel est, c'est quoi ce truc? Alors il me faut, comme d'hab, hein, faut du contexte histoire de comprendre, mais quel est le fondement de cette photo? Non mais il arrive, et il reconnaît lui-même ne pas connaître le milieu du football. Le problème à Sochaux, c'est que depuis le départ de Thomas Donio, t'as même plus de directeur sportif. Et publiquement, Monsieur Laurent explique que lui, on travaille avec un système d'agents. Donc c'est pour ça notamment que Philippe Rachke, qu'on a essayé de promouvoir en demandant chef de recrutement, il a refusé parce qu'il y avait une incompatibilité, et je veux dire, c'est public ce que je dis. Non, à Sochaux, on travaille avec les agents. Travailler avec les agents, ça corrèle un petit peu avec le côté que des joueurs libres qui arrivent, parce que les agents, c'est les premiers pour essayer de proposer des joueurs libres. Et ça, c'est intéressant. Déjà, tu te dis, c'est rassurant. Et les agents, les autres, mais ils ont senti le coup filé. Vous avez un président délégué, un directeur général qui ne comprend rien. Vous avez un actionnaire, Nanking, qui a plein d'autres choses à gérer, etc. Et ça, j'ai pas toutes les clés pour vous expliquer. Alors certes, on a mis au conseil d'administration de Sochaux le fils du propriétaire. Y a pas de problème. Il y a un président, etc. Mais ces gens-là ne sont pas vraiment présents, ne décident de pas grand-chose. En fait, ils ont leur confiance en Samuel Laurent. Alors, je ne sais pas par quel tour de magie s'est retrouvé là-bas. C'est vrai qu'il a beaucoup de connaissances dans le domaine asiatique. Il a y passé du temps et tout. Donc, ok. Je sais pas quel discours il a sorti, mais donc c'est lui qui gère tout. Alors depuis son arrivée, on a des dépenses qui n'ont fait que monter graduellement. Et là, on a fait un all-in cet été, mais on y reviendra. Dépenses qui augmentent graduellement sans rajouter de dépenses de transfert. Donc, sans doute, salaire, prime à la signature. Donc comme vous pouvez voir déjà sur les bilans de la DNCG, on voit une augmentation assez inquiétante des dépenses. Donc rémunération du personnel chargé. Donc ça, hop. Autre charge, ok, amortissement des indemnités de mutation, honoraires agents intérimaires. C'est assez drôle, leurs amortissements des indemnités de mutation, donc ce qu'ils payent sur les quelques transferts qu'ils font, donc là on est sur 220 000 euros, est quasiment similaire aux honoraires d'agents qu'ils payent, qu'ils ont payé sur un an. 2020-2021 et 2021-2022, regardez la masse salariale, plus 50 dépenses, et quand même entre 2020-2021 et 2021-2022, regardez la masse. What? La masse salariale a augmenté de 50% et les honoraires d'agents aussi ont doublé. De même pour les autres charges, tandis que les amortissements des indemnités de mutation sont restés similaires. Alors amortissement des indemnités de mutation, c'est l'équivalent de quand tu payes un transfert en plusieurs fois. Donc ça doit être parmi les quelques thunes qu'ils mettent, parce que c'est que 200 000, c'est minable. Ils ont donné 500 000 à des agents intérimaires. Autre charge, donc ça a élevé, autre charge, ils mettent un peu tout dedans. Non, c'est pas par mois, c'est par an. Et la rémunération du personnel chargé, donc on est passé d'une masse salariale de 8 600 000 à 12 millions en un ou deux ans seulement.
Oh là 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 là. Il a augmenté des Rasoul Ndiaye après l'offre de Toulouse. Sissoko a pris 404 primes à signature plus 84 salaires fixes. Oh là 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 là. Pas salarial. Plus 50% déjà. Donc là, tu te dis, oulala, les autres charges, vous savez, ce fourre-tout, déjà ça augmente. Et on regarde les pertes l'an passé, plus de 8 millions comme ça. Et évidemment. Alors, total de produits hors mutation. Donc, Sochaux gagne 10 millions annuels. Entre les droits audiovisuels de la Ligue 2 qui leur ramènent 5 millions. Entre les sponsors qui leur ramènent 2 millions et quelques. Entre les recettes de match qui leur ramènent 2 millions. Et les autres produits qui ramènent 1 200 000. 10 millions, c'est ce que Sochaux gagne. Ça couvre même pas juste la masse salariale du personnel. À ça, t'ajoutes les autres charges. Donc, dans les autres charges, c'est vaste. Ça peut être des frais d'entretien, ça peut être des achats, ça peut être le stade, ça peut être plein de trucs. Amortissement des indemnités de mutation, donc les transferts et les honoraires d'agents, machin. Donc, t'as un résultat net, un bilan de 10 millions dans le négatif avant les ventes de joueurs. C'est important de préciser. C'est aussi avant les ventes de joueurs. Après, en général, là, c'est un compte de résultats sur un an, donc c'est-à-dire que ça prend en compte la vente des joueurs, mais c'est-à-dire qu'ils ont vendu personne, ou en tout cas pas grand monde. Non, les autres années, Sochaux était sauvé de son déficit structurel par des ventes. Donc Sochaux, déjà, par essence, est obligé de vente. Là, cet été, on a mis des salaires à 4, je vais le donner, 80 000 bruts par mois et 400 000 de primes à la signature. Tu as plus de 5 mecs à plus de 50 000 bruts par mois en Ligue 2, sans compter les primes pour les autres, etc. Ce qui fait que ton vestiaire, il est sclérosé, parce que quand ça va bien, c'est comme à Versailles, on avait expliqué, tout est bon. Au moment où ça commence à perdre un peu et tout, et que tu vois que certains joueurs bah, n'ont peut-être pas le rendement escompté avec leurs émoluments, ceux qui gagnent beaucoup moins et qui se donnent, bah, des fois ça peut générer des conflits. Conflits aggravés, parce qu'à Sochaux, le chat n'est jamais là, donc les souris elles dansent, et en fait, vu que t'as un organigramme, tu sais pas qui fait quoi, et bah t'as des gens qui s'improvisent, qui montent dans le vestiaire. T'as des agents, t'as des conseillers, t'as un mec du recrutement, et là ça monte des mecs les uns contre les autres, ça leur balance des trucs. Lui, déjà à 80 000 bruts mensuels, t'es quand même sur quasi 1 million annuel pour un club de Ligue 2. C'est une folie. C'est une dinguerie. Attends, hey, un boxon pas possible. Rappelez-vous quand Omar Daf y part. Omar Daf et Samuel Laurent, il y a une prise de bec, etc. Et je pense qu'Omar Daf a pas tout dit, parce qu'à un moment donné, on essaie de t'imposer tel ou tel joueur. On te dit qu'il n'y a pas d'argent pour tel joueur, mais si c'est un agent, un pote à moi qui ramène, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Monsieur Ayad. Monsieur Ayad, il avait plein pouvoir, il avait les oreilles du président. Donc, le mec est intermédiaire, c'était plus ou moins lui qui faisait le recrutement, il allait voir des joueurs, etc. Pour ceux qui demandent, la vidéo est en x1,25. Voilà. Un tout petit peu accéléré. Dans le même temps, à un moment donné, il y a eu un problème, c'est sur le dossier Virginius qui est parti à Lille. Donc là, finalement, non, Ayad, c'est plus bon. Okay. Merci Twitchisou pour l'abonnement niveau 1. Merci beaucoup, les gars, n'hésitez pas à sub, c'est très important. Faut garder le cap ce mois-ci. Ça fait kiffer, il y a des nouvelles scènes, des nouvelles émotes qui arrivent. Il y a également, je vois vos énormes Twitch Prime dans le chat. N'hésitez pas, c'est toujours extrêmement apprécié. C'était la page pub. Let's go, on continue. Ok, on ramène qui ? Merci Pix. Sonia Swede et Monsieur Esteves. Alors là, c'est la régalade. Hein. Rendez-vous compte, Monsieur Guégan arrive sur le banc de touche. Bon, nouveau coach, ok. Un staff près de Ligue des Champions, on sait, si je dis pas de bêtises. Donc on va dire que c'est bien, ça travaille et tout. Merci Ciel. Commission pour tous les agents, évidemment. Hein. Maintenant, c'est la mode aussi, donc pourquoi pas. Donc 8 commissions en une, ok, tout va bien. Mais ce qui est un peu fort le café, c'est qu'on a le papa de Sonia Swede, l'agent dans le staff. Et évidemment, là, je vous raconte pas, on a les oreilles du président, ok, pas de problème et tout. Il n'y a rien d'illégal. Et il n'y a même rien d'anormal, qu'est-ce que je dis ? Le président, il l'a dit ! Nous, on passe avec les agents. Donc, évidemment, vous avez plein de mecs. Il y a quand même une anecdote exceptionnelle. Merci, Ogwe. Merci beaucoup. Merci, les gars. 100 000 euros en Belgique, par an. À Sochaux, c'est 400 000. Ah, bah, évidemment, il y a rien. Donc, on a pété le budget cet été. Et ce qui est fou, c'est que la presse régionale, qui fait un très bon boulot, et ça, on va y revenir après, nous explique qu'il y a un trou de 22 millions et que l'actionnaire principal n'était pas au courant. Mais comment il peut y avoir un trou de 22 millions et que l'actionnaire principal n'est pas au courant? Mais c'est littéralement impossible. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Il témoigne d'un train de vie totalement incontrôlé par la direction du FCSM, un pari basé entièrement sur la masse salariale exorbitante des joueurs. Le club est en train de le payer au prix fort. Il semblerait que l'actionnaire chinois n'était même pas au courant d'un tel déficit. Nanking explique, selon nos sources, qu'il est effectivement en difficulté financière, ce qui expliquerait le retard de versement des fonds et qu'il ne compte pas laisser tomber le club. Merci Nono. Mais c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a son fils au conseil d'administration. Alors c'est soit on a affaire au plus grand numéro d'illusionnistes, soit il y a des gens qui ont mangé. Et en parlant de gens qui ont mangé, on va y aller un petit peu, hein. Je fais du scouting. Non, non, en fait tu te payes des vacances sur le dos du club, etc. Parce que c'est comme ça à Sochaux, rappelez-vous il y a quelques années. Je publie cette vidéo avec document sur les détections payantes à Montauban. Un truc complètement lunaire pour des gamins. Aïe, aïe, aïe. Merci Fix. Ça n'existe pas, faut fuir. Merci beaucoup. Avec Raphaël Scherrer au milieu. Dans beaucoup de clubs, je pense qu'il y aurait eu quelque chose. Ah là, non, 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 Raphaël Scherrer, il prend une promotion. Donc c'est Raphaël Scherrer qui souffle à l'oreille gauche de Samuel Laurent, qui lui-même dit « je connais rien au foot ». De l'autre côté, oreille droite, il y a les agents. Au même temps, et au club, on a quand même un peu peur des dérapages de Samuel Laurent, parce que la presse locale qui a fait le boulot,
On nous rappelle qu'à un moment donné, il y a eu un problème dans un restaurant, visiblement, parce qu'on voulait payer en nature la serveuse. Bon, ensuite, il y a eu le problème avec Ajaccio. Les insultes, les cils et là. Tant et si bien qu'à un moment donné, plus certains autres commentaires, on a carrément insulté les joueurs. Donc ensuite, les joueurs, ils avaient interdiction de monter dans la loge présidentielle parce qu'on disait, oulala, on sait pas et ça peut faire des problèmes. Oh, on parlera pas non plus des campagnes d'insultes sur les messages Facebook par la campagne, etc., sur les fans et les opposants. Alors peut-être que c'est une tradition à Sochaux, parce que comme je vous dis, David Fiscaino, l'ancien directeur sportif, il me l'a fait à moi, donc je peux le dire, m'a envoyé des menaces par Facebook. Oui, il va t'arriver quelque chose, machin et tout. Donc je crois que Facebook et Sochaux, pour menacer les gens, c'est visiblement une certaine tradition. Donc... Ça a l'air absolument terrible. Vraiment, que ce soit entre eux, ou alors Rani Assaf, des trucs comme ça... Oh là 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 là, c'est terrible. Je sais pas s'il faut rire, mais les gens, on a tous très très bien mangé, et on s'est dit, mais c'est bon, on va remonter en Ligue 1, on a mis l'argent. Ouais. En fait, il n'y a aucune stratégie sportive, il n'y en a pas, donc on a un coach, etc., qui est peut-être pas forcément adapté en plus à l'effectif actuel, ok, pas de souci. Ensuite, les agents, à un moment donné, non, si ça, et le plus incroyable, c'est que les gens sont même pas disponibles. C'est-à-dire que quand le coach, des fois, il demande des choses, on répond pas. Ah oui, mais j'étais occupé, ça arrive le jour du match, oui, oui, parce qu'il faut pas trop travailler à son choix, hein. C'est comme un mien d'autre, va être tranquille, hein. On va pas trop bosser. Par contre, les petits fours, les petits voyages, les cils et là, il n'y a pas de problème. Et là, je suis quand même curieux parce que hier, donc, ouais, c'était hier passage à DNCG, je l'avais annoncé avant, ils sont venus quasiment la main dans le slip, oh, bah, on va vendre pour 15 millions de joueurs. Point, fin du dossier. À la Ligue, ils avaient jamais vu ça, un dossier aussi mince, même à Niort, ils ont fait mieux. Alors, quand Niort fait mieux que toi en termes de travail, c'est que là, on a peut-être le pire club de Ligue 2. C'est quand même extrêmement chaud. Hein. C'est venu à la Ligue, pépouze, main dans le slip. On va vendre pour 15 briques. Ce qui en soi est possible, hein. Ils en ont récupéré déjà 6, quasiment un tiers, enfin quasiment la moitié avec ce qu'est lié à Alvero, mais. Oh, c'est chaud, frère. Mais tranquille, vous inquiétez pas. Et puis on se vantait, c'est pas grave. Notre actionnaire l'an dernier a mis 10 millions. Dites-vous, ce braquage aurait pu passer parce que je rappelle quand même qu'ils ont joué le podium jusqu'à assez longtemps. Hein. Ils ont failli monter en Ligue 1. Donc il s'est fait pigeonner de 10 millions, hein, parce qu'on va être très honnête. Hein. Le groupe chinois est un groupe qui sert à se faire pigeonner. Voilà, comme plein d'autres propriétaires dans le milieu du foot. Et ça commence un peu à m'énerver cette histoire. Hein. L'argent public aussi, hein, et tout ça, on l'utilise à des fins. Bah, on se pose quand même quelques questions. Comme à Dunkerque, où l'ancien président, il regarde à vue, soupçon de détournement de fonds, etc. Tout va bien dans le foot français, hein. Tout va très très bien. Pourquoi je parle de tous ces exemples-là et que je me concentre pas que sur Sochaux? Pour montrer qu'aux fans de Sochaux, aux autres, c'est généralisé. On nous prend pour des cons dans l'immense majorité des clubs. Mais Sochaux, c'est vrai que peut-être ils ont la palme. Donc, comme je disais, passage à la DNCG. Tout le monde savait que Sochaux allait être relégué, hein, parce que le dossier, il n'a pas été travaillé. Et là, vous avez le communiqué lunaire du club. Mais il lisait ce communiqué. Presque méchant envers le propriétaire. Le FC Sochaux-Montbéliard, tout en reconnaissant la légitimité de cette décision, va faire appel de celle-ci afin de produire la preuve de la couverture par le groupe Nanking de son déficit prévisionnel, comme cela avait été le cas il y a un an. Le groupe doit de manière imminente débloquer les fonds prévus à cet effet et les verser à sa filiale. Le retard dans les versements de ces fonds, qui a amolissé Vianin, s'explique par la difficulté de trésorerie rencontrée par Nanking dans ses activités liées à un marché immobilier chinois en crise depuis la crise sanitaire. Et ça, c'est vrai. Ça, le marché immobilier chinois, il est en crise depuis un petit moment et ça, c'est connu, ça. Oui, il faut qu'ils mettent l'argent. Ils ne sont pas au courant du trou. Alors, des fois, ça peut arriver parce qu'ils ont tellement de boîtes de ci, de là, il y a des. Même si c'est bizarre, il y a quand même le fils du propriétaire de Nanking au conseil d'administration. Bah, c'est surtout ça. Quand il y a un fils au conseil d'administration, en général, quand il y a des bilans et tout, genre en tant qu'actionnaire principal, tu le reçois. Donc, et t'es au courant. Donc, c'est vrai que c'est un peu chelou, mais bon. Mais soit ainsi, on va dire ok. Donc, je pense déjà, ils vont se poser la question, on va passer le pognon. Hein, et comment on a pu faire un trou pareil? 22 millions. Et il y a eu des ventes, hein. Donc, c'est le train de vie de Ligue 1, de Pacha. Pour faire en plus une deuxième partie de saison abominable où les mecs avaient complètement renoncé. Évidemment, on va pas parler des prestataires qui sont traités comme de la merde. Les partenaires, c'est à peu près pareil. Et les petits employés, c'est pareil. Parce que ici, on est Sochaux, tu comprends? Donc c'est le pognon, les petites pépettes, les grosses pépettes. Le football dans tout ça, non, c'est un délire. Ici, en fait, il y a du foot. C'est un club historique, t'as encore des gens qui l'aiment. Et t'as tous ces fans, pris pour des cons. Et dès qu'ils osent exprimer tout ça, on les menace. Donc en fait, il y a deux étapes. Évidemment, il y a une responsabilité des propriétaires. À un moment donné, tu dois regarder ce qui se passe. Visiblement, ils l'ont pas vraiment fait. Là, dans le même temps, on a le club qui avoue les difficultés financières de l'actionnaire. Ah, ça va vachement rassurer à l'appel de la DNCG. Je sais pas quelle est l'intelligente qui a rendu ce communiqué. Vraiment, tu retournes en National 3, les gars, vous savez, vous rendez pas compte de l'onde de choc. Hein. C'est vraiment un retour total au football amateur à un niveau extrêmement bas. Surtout vis-à-vis un petit peu de bah, tous les sponsors, les partenaires qu'ils avaient déjà, la région, le club que ça représentait. Et qui a été relu, c'est pas possible. J'ai jamais vu un communiqué pareil. Dans le même temps, on va être très clair, si Nanking ne fait pas un chèque, et là, c'est un gros chèque. Le club il coule. Pourquoi? Parce qu'en National 1, Sochaux ne pourra pas à cause des coûts d'entretien de toutes les structures, etc. Il y aura trop de frais de fonctionnement. C'est comme Dijon. Dijon ne pourra pas passer 2 ans en National 1 vu les frais de fonctionnement avec le nouveau centre d'entraînement, etc. Sochaux ne pourra pas. Et à la Ligue, ils le savent très bien. Si Nanking ne fait pas le chèque, c'est la clé sous la porte. On va être très clair. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage de la fusée maintenant.
Parce qu'on a un directeur général qui avoue ne rien connaître au foot, qui a les bonnes grâces visiblement. C'est vrai, hein. Dans le autre charge qu'on a vu là, dans les autres charges, c'était les charges quotidiennes, tu vois, liées au stade, à l'entretien, aux déplacements à droite, à gauche et tout. On a vu que ça restait une somme élevée. Et c'est pas une somme que tu peux assumer ni en national ni ailleurs. Non, du propriétaire. On va voir s'il les a encore avec le trou qu'il a créé. Comment il va le justifier ? Mais bon, faut rien dire. Qui lui-même, il y a des gens autour qui profitent de sa méconnaissance du football. T'as des agents, des conseillers, des gens au club, etc. Pour terminer, parce que je pourrais donner des anecdotes pêle-mêle, oui, les joueurs, ils ont abandonné en deuxième partie de saison. Parce qu'à Sochaux, on a visé la montée, ils ont été à la course, après un début de saison très compliqué. Puis après, il y a eu l'effondrement, la deuxième partie de saison, elle est honteuse. J'ai jamais, même Amiens, ça match avec Amiens et Sochaux, qui bizarrement sont peut-être les deux clubs où il n'y a personne, où il n'y a pas de direction, c'est les vacances. Bizarrement, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet au final. Et donc elle est honteuse, ouais, il y a des joueurs qui ont abandonné, c'était la vita loca pour beaucoup. Ouais, mais comme les dirigeants, en fait, j'ai envie de dire. Et le club est tellement mal géré, mais tellement pas géré même carrément, bah, c'est plus un tout. Et là, il y a un point dont j'aimerais insister, c'est que l'alcool, c'est un fléau. Et la consommation excessive d'alcool régulière de la part de certains dirigeants, elle a suscité tellement de peur au club que non, surtout pas quand dans le micro, etc. Parce qu'ils savaient les folies que les mecs balancent en off. Si ces folies, elles sortent, bref, depuis que PSA a revendu le club, sciemment à ce groupe chinois, on assistait à la petite mort du FC Sochaux-Montbéliard. Et peut-être là, on arrive à la déchéance complète. Alors qui sait, peut-être qu'il y aura des choses politiques ou que sais-je encore. Je rappelle que Lens, à un moment donné, a été sauvé politiquement et tant d'autres clubs comme cela. Néanmoins, est-ce que c'est viable quand certains propriétaires refilent le bébé à des gens peut-être pas forcément bien intentionnés et qui sont des mythomanes et des illusionnistes? C'est malheureusement la triste histoire du FC Sochaux-Montbéliard, la historique du football français qui est en train de mourir, presque dans l'indifférence générale. Mais ne vous inquiétez pas, les politiques sont en train de faire des lettres ou que sais-je, parce que ça représente potentiellement un électorat. Non, la réalité, c'est que tout le monde a laissé crever Sochaux et c'est une question de temps maintenant. Et seuls qui seront encore là quand il y aura la mort, ce seront les fans, les irréductibles. Et pour cela. Oh là 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 là, force à tous mes sochaliens. Oh là 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 là. Et vraiment, vous pouvez aimer, ne pas aimer, tout ce que vous voulez vraiment de Romain Molina, de peut-être pas avoir aimé certains traitements de certaines informations et tout, je peux l'entendre. Mais force est de constater que c'est le seul qui parle, ou en tout cas l'un des seuls, pas le seul, mais l'un des seuls qui met autant de lumière sur des clubs, indépendamment du nombre de vues que la vidéo va faire, indépendamment de tonnes de choses. Genre vraiment, c'est le seul qui parle de trucs et qui discute et qui dénonce des bails à Dunkerque, des bails... Genre c'est la folie. Alors c'est pas exactement le seul, parce qu'il y a souvent la presse locale aussi, donc dédicace aux presses locales qui font toujours des gros travaux et tout machin, mais malheureusement elles ont une portée que locale, tu vois. Romain Molina, il arrive à ramener de la visibilité sur des trucs à échelle nationale. Typiquement les frères, comment ça s'appelle ? Genre Dunkerque. Je m'en bats les couilles de Dunkerque. Là, ça m'est bien, tu vois. Non, franchement, là, ça m'est bien. Non, ça m'est bien. Ils ont parlé de ça même dans FTRMC. Ouais, forcément, après, forcément, ça repart un peu dans tous les sens. Après, quand il y a la quand il y a la décision, c'est sûr que tout le monde en parle. En réalité, c'est vrai. On va pas se mentir. On va pas se mentir quand même que Molina, il en parle bien avant les décisions. Genre Molina, c'est au moins sa genre 7 ou 8e vidéo sur le sujet de Sochaux. Donc il a pas attendu qu'il y ait une validation de la descente en nationale pour en discuter. Lui, il en discutait tout le long. Mais pareil, quand il parle de Niort, de Chambly, de Dunkerque, de je sais pas quoi, il a toujours fait ça. Et ça, je trouve ça propre. Donc vraiment, dédicace à lui, hein, franchement.